Brochet. Les gars, bravo, vous êtes les deux qualifiés pour la finale de ce FC Fight Perche. Arnaud, t'as créé une petite surprise parce que personne t'attendait forcément en finale avec une pêche bien à toi, donc félicitations, t'as été le seul de ta journée dans la poule A à faire le quota dans une journée très très difficile, donc bravo à toi. Merci David. Sylvain, toi t'as réussi le petit exploit de sortir le tenant du titre et l'un des grands favoris, Tanguy Marlin, avec en plus une belle avance sur lui. Donc vous faites deux très beaux finalistes et on aura forcément un beau vainqueur de ce FC Fight Perche. Vous allez partir sur l'eau pour deux manches de 3 heures dans cette finale. On va mesurer vos trois plus gros poissons à l'issue de ces deux manches de 3 heures et bien évidemment, c'est celui qui aura le plus gros total qui sera désigné vainqueur de cette compétition. Si à l'issue de ces 6 heures de pêche, personne n'a le quota exigé de 3 poissons maillés, 3 poissons de plus de 30 cm, on repartira pour une heure supplémentaire. À la fin de cette heure supplémentaire, même si aucun d'entre vous n'a le quota, on mesurera vos plus gros poissons et celui qui aura le meilleur total sera désigné vainqueur de ce FC Fight Perche. Est-ce que c'est clair pour vous? Parfaitement, oui, très bien. Bonne chance, vous avez pu le constater, la pêche est très très difficile. On espère que ça va fonctionner aujourd'hui pour vous deux et que vous allez rapidement avoir votre quota et peut-être prendre un joli poisson. Bonne chance les gars et que le meilleur gagne. Allez Arnaud. Bonne chance à toi. Bonne finale à toi. Un peu sur l'eau. Régale-toi. Allez à toutes. Arnaud, je le connais de réputation, on a des amis en commun. Voilà, après, il était dans une poule où il y avait des gros morceaux, il s'en est sorti avec un quota, donc je pense qu'il aura quota. C'est-à-dire qu'il fera ses 3 poissons, avec certainement une ou deux jolies. Je doute que pour la finale, mon humble quota suffise. Donc non, je vais vraiment me cantonner à ma stratégie initiale. J'ai toujours ma zone, clairement, je vais continuer à la poncer. Je suis plus dans une dynamique de travailler les zones, en fait, les laisser reposer et d'y retourner pour envisager prendre un vrai gros poisson. Je sais un peu plus ce que je veux faire, c'est-à-dire exactement la même chose. Donc je vais répéter ma gamme en finale. Allez, premier lancer, c'est parti. Bon bah là, il n'y a pas grand chose qui change sur ma stratégie. Toujours commencer avec les leurres de surface, en l'occurrence les Skitter V. J'ai juste fait quelques petites améliorations, on en parlera tout à l'heure. C'est pour remédier un peu à ces gros poissons que j'ai ratés en surface. Donc là, c'est parti. Je vais vraiment tenter de chercher une vraie grosse. Et je vais rien lâcher. Allez, c'est parti, premier lancer de la finale. Sois victorieux, mon grand. Le numéro 11. Allez, celui-là, il compte. C'est parti. Tiens, raté. Oui. Ah, c'est pas gros. Mais bon, c'était petit, on s'en fout. Bon, déjà, c'est bon signe. Première attaque, allez, ça fait quoi, 5-10 minutes que je pêche. Déjà, j'ai déclenché en surface. En général, c'est plutôt les grosses qu'on déclenche en surface, ça c'était vraiment une petite. Ça faisait 20-25. Mais bon, déjà, tiens, derrière. Non. J'ai pas le droit de rater ça. Ouh, il y a une chasse juste là. Ah, c'est des perches, il y a des grosses. Elles m'ont suivi. encore du monde ici. Une petite, je me dépêche. Je change pas la stratégie d'hier, toujours dans ma volonté d'être hyper agressif. Là je passe sur le Skitter V en 13 cm. Ça paraît gros, ça peut être surprenant, mais c'est lui qui m'a fait prendre la vraie grosse du pré-fishing. Je lâche rien. Je vais créer un peu de barouf avec ça et je vais sortir aussi le plus petit, le pêche en linéaire. Et puis en excitant les petites, j'espère rameuter les grosses. Voilà une toute petite. Hop là. Je te le montre pour faire, je vais en prendre plein. Voilà, vraiment typiquement les petits poissons qui s'intéressent à ça. C'est tout petit, mais là je vais garder le gros encore un petit peu là pour faire un peu le bâtard. Et après je vais passer au plus petit et c'est avec ça que je les ai fait hier en linéaire. Et peut-être que ça va les déclencher en surface. Ah, ah, c'est vraiment tout petit. Hop là. La petite cocotte, elle fait la taille du leurre, c'est assez impressionnant là. Comment c'est féroce. Tiens, petite mémère. Oh, oh, oh non, c'est quoi ça? Cette touche incroyable. J'ai pas pris une touche comme ça tous ces jours. Oh, je me suis fait arracher la canne des mains. C'est pas une perche, c'est pas possible. Oh là la misère. Oh, j'ai pas pris une touche comme ça, en tout cas sur ce type de pêche, de tous ces jours. Poisson. Bac basse. Un petit basque qui me l'a pris direct à la tombée. Allez, perds pas plus de temps. Hop là. Tiens, oh, oh c'était plus joli ça, il y a des plus belles là. Tiens, oh, ah, je sais pas loin. Tiens, tu vois, ça chasse lui devant. Tu vois, j'ai changé de couleur tout de suite là, j'ai eu deux tapes, c'était deux tapes plus sérieuses. Là, c'est tout petit, minuscule. Faut pas rater les premières. Hop. Poisson. Ouf, décroché dans les puisettes. Ça va être juste pour que ça m'aille, on va voir. C'est vraiment au millimètre. Allez, celle-là, elle fait plaisir. C'est pas un monstre, mais ça a l'air vraiment difficile ce matin. Au moins, j'ai... un premier poisson. Le premier but, c'est déjà de faire un quota, donc il faut remplir les cases, il faut scorer. Allez, poisson de 30, ça fait plaisir. Un début difficile pour les deux finalistes qui sont comme prévu fidèles au schéma qu'ils ont validé en phase de poule. Arnaud Landrieu alterne Jigging Rap et Skitter V sur une zone au nord du lac et Sylvain Garza a repris son combo Blady Jig et Critter 9 cm qu'il promène autour des structures. Et c'est lui qui score le premier dans cette finale. Là, je ne sais pas où ils se sont déplacés. Ah, ouais, c'est petit. C'est tout petit. Tac, tac, tac. Oh, on monte en taille. Je suis au moins 12 cm. Hop. Peut-être même pas. Ah! Oh, je la sentais derrière, je la sentais. Aïe 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 aïe. Ah, pendant le lancer là j'ai eu 2-3 fois j'ai senti comme presque rien en fait. Du coup j'ai ralenti, je repartais et là juste devant le bateau j'ai vu elle m'a tiré les pinces, elle s'est retournée et c'était une belle perche. Elles sont là. Je vais peut-être mettre le... Pour le coup, peut-être que le grammage en dessous m'aurait aidé à la piquer, celle-là. On va voir. Bon. C'est un échec pour l'instant. Ah ben... Il va accoster. On va voir si ça a réveillé du poisson. Mais j'en doute un peu quand même. On va pas insister trop longtemps ici du coup. Tiens, oui. Parfait. C'est pas très gros. Hein. C'est pas très gros. Ça peut être suffisant. C'est pas certain. Allez, viens là, cocotte, t'es bien. Allez, je croise les doigts pour qu'elle maille. Ah, ça m'a l'air petit, ça m'a l'air petit. Oh là là, la misère, elle fait 30 tout pile. À 30 tout pile, j'ai la chatte à mirer par contre. Poisson. Oh, je la décroche. Oh non. Oh non, un poisson de 40. Ah. Ah. Ah, celle-là, elle était dans les herbiers. Il surfe sur la vague, mon Skitter V. Il n'est pas fait pour ça. C'est vrai qu'il est bien plus à l'aise en milieu calme. Mais il s'avère qu'il est assez polyvalent parce qu'avec cette forme en V là sur le dessous, il s'en sort vraiment pas mal dans les vagues. Pour l'instant, c'est lui qui me rapproche du poisson. Donc. Oh oui, ah c'était gros. Oui, yes, j'ai. Putain, c'est ça que je veux. Ça c'est bon. C'est exactement ça. C'est maillé. Il y a beaucoup plus gros derrière. Il y a. Oh merde, j'en ai plus belle. Il y a beaucoup plus gros derrière. Oh là là, elle doit être tout juste aussi celle-ci, peut-être 31. J'ai un 32,5, mais ça rentrera à 32 du coup. Ça c'était petit. C'était petit, mais c'était quand même une touche. Oui, oui, oui. Ça c'est gros. Allez, non, j'ai peur qu'elle m'emmène dans les herbiers. C'est super gros. Là, c'est un poisson au moins de 40. Qui s'est tanké. Non, t'as pas le droit de perdre un poisson comme ça. Là, c'est un poisson de 40, c'est certain. Elle s'est tankée dans les herbiers. Là, j'ai un gros poisson. J'ai un très gros poisson. Je suis incapable de vous dire si elle est encore au bout ou pas. Je suis monté fin en plus. Non, elle est tankée dans les herbiers, c'est pas possible. Je lui mets une pression incroyable. C'est pas possible. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Oui. Est-ce qu'elle est au bout? Je crois qu'elle est au bout. Elle est au bout, elle est pas si grosse, mais elle compte. Yes, elle s'est prise un herbier. Cool. Vraiment sur la fin. Mais regardez-moi ce poisson. Elle est magnifique. Je suis trop content. Yes, elle est grasse. C'est pour ça qu'elle m'apparaissait plus grosse. 38. 38 cm, un super poisson. Je la voyais proche des 40. Elle m'a fait de la peine dans les herbiers. Mais je la sors quand même, je suis content. Allez, on lâche rien. C'est pas fini. Terminado. Bon, ça a été pas facile à cette période-là. J'ai qu'un poisson et je perds cette grosse perche là sur la fin, là, 5 minutes de la fin. Je pense que c'est un poisson qui était pas loin de 40 ou peut-être même 40. Je l'ai bien vu le reflet sous le bateau, elle était sous le bateau. Ça fait mal, mais bon, ça fait partie du jeu. Hier, j'ai très peu loupé. Ça doit arriver à un moment donné. J'espère que ça ne se payera pas sur le score final, même si c'est probable. Mais il faut garder le moral et se dire qu'il va y avoir d'autres touches cet après-midi et que ça va se jouer à ce moment-là. Il y a des poissons qui vont rentrer dans l'épuisette, il faudra être prêt. Allez, à la soupe. On va aller se reposer. Je vais continuer de garder affûter mes hameçons. Et puis je vais quand même vous parler un peu de ce qui m'a sauvé la matinée. Parce que hier soir, je peux vous dire que j'ai cogité un sacré moment. Ça me gonflait, j'en ai raté des poissons, vous l'avez vu dans le premier épisode. Et j'aime pas ça. Donc la petite astuce que j'ai mise en œuvre hier soir, très tard, parce que j'arrivais même pas à endormir tellement j'étais perturbé par ça, c'est simplement de rallonger légèrement, en fait, l'arrière de mon stickbait. Donc hier, on a pu le voir sur la vidéo, elles arrivaient derrière, comme ça on voit, elles se retournent, c'est de la pure agressivité, hein, on voit, elles tapent, mais elles viennent pas le gober directement. Donc là, j'ai simplement rajouté un petit émerillon rolling, qui permet toujours d'assurer ce côté 360 pour sécuriser la prise là, lors du ramené. Et puis tout simplement, alors un tout petit tail là, en poil, ça c'est pour le côté visuel. Et en fait, au moins quand elles viennent là, l'hameçon du moins est vraiment très léger et au moins elles peuvent se prendre, même si elles viennent derrière, ça peut permettre d'enferrer quelques-unes. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce matin, notamment avec ce leurre-là. J'ai eu quelques belles tapes aussi avec celui-ci, que j'ai rallongé légèrement moins, j'ai fait deux systèmes différents. Là, j'ai simplement mis 3 anneaux brisés en ligne et ça m'écarte un tout petit peu l'hameçon et ça m'a sauvé la mise ce matin. Donc je suis franchement content d'avoir sauvé la mise avec ça. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui utilise ce genre de système. Je pense même que c'est plutôt nouveau. Mais voilà, la force de réflexion, quand on rate des poissons, il faut toujours se remettre en question. Et ce petit tips là m'a vraiment permis de les déclencher. Je sais pas comment je vais pouvoir appeler ça. Je suis plutôt chauvin, je suis auvergnat désormais, donc... J'avais pensé au Cantalrig, si jamais ça vous va, le fait de déporter un peu son hameçon. S'il y en a qui l'ont déjà fait, je veux bien le savoir. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est ce qui m'a sauvé ce matin, donc je suis bien content. Le Cantalrig a fait la différence. Après 4 heures de pêche, c'est Arnaud Landrieu qui est en tête dans cette finale, avec un quota bouclé. Son dynamisme et son énergie sont récompensés. Il ne fait rien comme les autres et ça fonctionne. Sylvain Garza pensait peut-être avoir fait le plus dur en éliminant Tanguy Marlin en phase de poule, mais il est pour l'instant nettement dominé par le phénomène du Cantal. Bon, ben là c'est ok, voilà. Après c'est aussi ça les grands lacs. Hein. Là, on va devoir pêcher en descendant. Hein. J'ai voulu mettre de la plume pour alléger un peu l'ensemble, mais au contraire, ça l'alourdit et ça fait couler un peu l'arrière du leurre. Donc, il nage pas comme je veux. Faire une petite modification de dernière minute. Hop. Allez, j'ai perdu quelques secondes, mais c'est reparti. Manqué. Ah. Bon, pour l'instant ça paye pas, ça m'inquiète pas parce qu'à tout moment ça peut monter, là je suis pas, c'est pas le souci. Je m'aurais quand même cru que le fait de la pause là ça avait pu les activer, c'est pas le cas. Donc, je vais continuer de poncer. Mais là le vent s'est un peu intensifié. Et... il faudrait pas que ça aille plus loin. Voilà, 6 mètres de fond, je redescends un peu plus creux. Hein. Et normalement, je devrais retrouver mon plateau là d'ici une quinzaine de mètres. Et c'est là que ça doit se passer. Et c'était maillé ça. Ah fait chier, je loupe des poissons tellement je suis déséquilibré par le vent. bouger, ça me rend dingue. Manqué. Ah, c'est pas vrai. C'est pas normal là, je le longe pile, il est dans cet axe là. C'est là qu'il doit se passer quelque chose. Pas possible autrement. Tiens, j'avais dit. C'était gros, c'était très gros. Oh là 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 là, dès que je me mets dans l'axe de l'herbier, c'est fou. C'est dingue. Ah, oh, cette attaque, c'est une des plus belles. C'est une des plus belles que j'ai eues. Oh là 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 là, c'était fabuleux. Qu'est-ce que c'était beau. Et dès que je me suis mis à ras l'herbier, ce que je disais, c'est incroyable. Tiens, oui. Non. Oh non. 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 Oui, derrière. Non. C'est incroyable. Tiens, oui. Non. Oh non. Non. Ah, c'est frustrant. Chier. Ah, j'ai pas le droit de manquer ça. Ah. Poisson. Ah, ça va pas être maillé. Ah, je suis fou. Allez. Allez, je me redécale encore un peu. Le groupe, il est là. Elles connaissent un peu mon leurre maintenant que j'en ai raté 2 ou 3, mais pas autant que l'autre spot. Donc pour moi, ça reste le pattern de cet après-midi, quoi. Allez, plier ce quota maintenant. Ah si, c'était des poissons, elles sont derrière. Oh, regarde là, il y en a une toute petite là. Regarde là. Celle-là, elle était bien accrochée. Oh, 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 oh. Ah, elle prend sous le bateau. Elle me prend sous le bateau, elle s'y prend à 2 fois. Je réussis à la piquer. C'est bien avoir un coup de réussite à un moment donné, sur une journée de pêche. Décrocher dans les puisettes, ça m'aurait étonné. Voilà un beau poisson. Yes! 37. Allez, vas-y, va. Merci. Grosse accélération pour Sylvain Garza dans des conditions musclées. Il vient de faire craquer 2 belles perches, toujours sur le même combo. Après 1 heure de pêche dans l'après-midi, il passe devant Arnaud Landrieu pour 3 petits centimètres. La finale est relancée. À ce moment-là, il est très difficile de savoir qui va s'emparer du trophée de ce FC Fight Perche. Oh oui. oui. C'est pas possible. Oui, oui. Oui, j'ai. Yes. C'est pas un monstre. Il y a plus gros derrière. Il y a clairement plus gros derrière. Mais elle est belle. Elle est belle. Yes. Et voilà, j'améliore. Avec une superbe nouveauté là, à l'heure de surface Rapala. Je suis aux anges. Là, vraiment le fait de changer de vibration là, ça a permis de débloquer la situation. Parce que c'est vrai que je leur présente toujours le même leurre depuis le départ. Un joli poisson de 34 cm. Bon, qui améliore mon quota. Je suis content. Il y avait encore plus gros derrière. J'ai vraiment pas de réussite avec ça. Mais en tout cas, ça améliore et ça me fait plaisir. Et toujours en surface, en plein après-midi. Donc ça, c'est top. Là, le vent s'est relevé encore. Ça moutonne à fond sur le lac. C'est rock'n'roll, là, mes amis. Hop. Il y a vraiment des méchantes vagues, là. C'est la guerre! Ah, ça bouge encore, mais c'est des blancs. Il y a profusion de poissons à cet endroit. Je suis content d'avoir changé d'idée et d'être venu là. Ah, je la chie. Le vent n'aura pas cessé de souffler. C'est vraiment mon pire ennemi. Bon là, je m'adapte à la situation. Je vais simplement rajouter deux petits anneaux brisés. Avec ma petite pince là. Hop, en voilà un. Je vais en piquer un deuxième sur un crampe. Tout simplement. Et là, l'effet recherché, c'est simplement de reculer. De reculer un petit peu le l'hameçon. De manière à ce que ces attaques vraiment courtes, là, puissent être interceptées. Voilà, j'ai récupéré. On va toujours avoir ce système de pince, là, qui est super pratique. Une petite pince à anneau brisé. Hop, on met un coup. Là, j'en ai deux. Je mets un troisième. C'est très rapide. Hop, voilà. J'ai plus qu'à le mettre sur le leurre et c'est parti. Et là j'ai gagné, allez, je dirais 4-5 mm d'allonge. C'est vraiment pas grand chose. Ça me le couvre à peine plus loin. Mais disons qu'au moins vu qu'elle tape vraiment derrière, peut-être qu'elles se feront happer suffisamment par le leurre. Par l'hameçon. Donc le fameux Cantalrig. Allez, on va essayer avec ça. Bah, on entame la dernière heure. Bah, moi je vais continuer mon plan. Et j'espère que ça va finir exactement comme hier par un beau poisson dans le Money Time. En tout cas, je vais rien lâcher. On veut même pas deux là, c'est bon pour moi, la mission elle est remplie, je suis content. On veut juste une grosse. Même si je perds, qu'importe, je m'en fous. Alors là, punaise, qu'est-ce que ça me ferait plaisir ce gros poisson là. Ah, raté. Oui, 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 c'est gros, c'est gros, c'est très gros. Je pense que j'ai mon poisson. Ça fait au moins 35, je dirais. Je crois qu'elle se bat pas. Qu'est-ce qu'elle me fait? Elle fait, allez, allez, je pense qu'elle fait 35. Peut-être plus. Oh, derrière, il y a un monstre. Non, 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 non. Allez, 35, je l'ai. Yes. Parfait. Yes. Ah, super. J'améliore mon 32 cm. Je suis trop content. Magnifique poisson. Ça fait 34. Et là, elle était prise sur ma petite extension, la légère. Elle était vraiment prise pile à la commissure des lèvres. Et celle que je rate depuis les débuts, là, je pense que ça m'aide vraiment. Je suis trop content. Grignoter le titi. Fiche. Ouais, joli poisson. Yes. Et voilà! Yes! Yes! Beau poisson encore. Toujours avec ma technique. Au mental, j'ai rien lâché. Je sais pas ce qu'aura Arnaud, mais au moins, j'aurai pas trop de regrets ce soir, quoi qu'il arrive. Poisson de 40. Allez, ma jolie. Waouh! Fait du bien. Bon, on va se faire un autre puits. Il reste une petite demi-heure. Faut rien lâcher. Incroyable scénario dans cette finale. Arnaud Landrieu a repris la tête avec deux jolis poissons en surface, mais Sylvain Garza a répondu presque immédiatement avec une perche de 40 cm qui change tout. Ce poisson remplace celui de 30 cm. Ça fait plus 10 cm sur la feuille de stat. À moins de 30 minutes de la fin, il a une belle avance, mais un seul gros poisson peut suffire à Arnaud Landrieu pour arracher la victoire dans ce FC Fight. Oh là 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 là. Là, en fait, là, sur ce puits, il y a 8 mètres de fond, donc j'essaye d'envoyer mon chatter vraiment jusqu'au fond, je laisse couler. Et une fois que j'ai pris contact avec le fond, je le fais remonter à fond la caisse. C'est comme ça que j'ai fait les deux poissons ici, là. Les deux fois où j'ai fait ça d'entrée, les deux fois j'ai scoré. Ce qu'il y a, c'est qu'après, en général, après un poisson, le banc se met en mouvement et on ne les retrouve plus. Je pense que je vais aller refaire un autre puits, je reviendrai là pour finir la compétition. C'est aussi là que j'ai fait la grosse dernier lancer hier. Donc je vais me garder ça pour les derniers moments. Allez, on lâche rien. Il reste un gros quart d'heure. Allez, c'est maintenant. Là j'ai sorti l'artillerie lourde, un gros leurre. Allez, plus rien à perdre. Le quota est bouclé, c'était l'objectif. Numéro 1. Le numéro 2, c'est la grosse. Il me reste 10 minutes à peine pour le réaliser. Ça va être tendu. Gros poisson. Encore une perche. Oh la vache. Celle-là, je la dédicace à Tanguy. Il n'est pas là pour la finale, par contre, en général, ce genre d'action, c'est lui qui les fait. C'est assez rare qu'une perche se loupe sur son attaque, mais bon, là, ça a été le cas. Et du coup, j'ai vraiment cru à un gros poisson. Bon, c'est une maillère. Mais elle m'a fait croire à une très grosse parce que ça tirait vraiment fort au début. Allez, on la relâche, on se dépêche, on y retourne. Je m'approche pas trop parce que des fois, je crois que j'ai pris une touche. Encore, ouais, touche. Ah, il est vraiment bon ce puits. Ah, c'est un tout petit poisson. Mais ça prouve qu'une fois qu'on a bien analysé la pêche, après il n'y a plus qu'à réciter. Donc voilà, deux jolis poissons. Bon, on le voit, hein, les deux de la même longueur, 34 cm. Donc c'est les deux jolis poissons pris en surface là cet après-midi. Je vais les remettre dans leur élément. Hop. Allez, cocotte, pleine d'énergie. Et la seconde. Hop, hop, hop. Allez, file. Et merci. C'est terminé. Je suis content de ma journée, je suis content de ma pêche. Ça s'est pas trop mal passé. Je sais pas ce qu'aura fait, Arnaud. C'était quand même compliqué aujourd'hui, je pense, à cause du vent. Je sais pas quelle pêche il avait trouvé, mais en tout cas, parfois le vent peut faire qu'on peut plus faire la pêche qu'on a fait la veille. Et moi, c'était pas facile, mais bon, le chatter, c'est un leurre qui tient quand même le vent. Après, j'en ai beaucoup loupé parce que j'étais tellement déséquilibré par les vagues. On va voir, il me tarde d'avoir le résultat, donc on va rentrer et on va aller voir ça. J'ai bien envie d'y croire, parce que je pense que mon quota est quand même honorable malgré tout. J'ai pas la grosse espérée, mais je sais pas ce que Sylvain a fait exactement. Écoute, là, la balle est au centre, on verra qui aura été le plus performant. Mais j'y crois, on verra. Une finale superbe avec deux grands champions qui se sont rendus coup pour coup. Au bout du suspense, c'est Sylvain Garza qui s'impose avec une maîtrise technique et tactique impressionnante. Arnaud Landrieu est passé tout près de l'exploit. Il termine avec deux poissons qui auraient pu être remplacés à tout moment. Il faut maintenant annoncer le verdict aux finalistes. Les gars, c'est la fin de ce FC Fight Perche. Bravo à tous les deux. La première info, c'est que vous avez tous les deux fait le quota. Donc on n'a pas été obligé de repartir pour une heure supplémentaire. Et dans les conditions de pêche qu'on a eues durant ces 3 jours, c'est déjà un premier exploit. Donc vraiment bravo à tous les deux. Vous nous avez offert une très très belle finale, très serrée. Et il y a, comme on le disait ce matin, un très très beau vainqueur de cette date. Je vais vous laisser me donner la taille de vos 3 plus gros poissons et on va pouvoir déterminer le vainqueur. Arnaud, c'est quoi tes 3 plus gros poissons? Alors moi, mes 3 plus gros, c'est 38, 34 et 34 cm, soit un total à 106 cm. Sylvain? Moi, j'ai fait 36, 37 et 40 cm. Donc un total de 113. Et c'est donc toi le vainqueur de ce FC Fight Perche. Yes. Et je te remets le trophée qui appartenait sur cette date à Tanguy Marlin. Bravo, tu nous as régalé et impressionné. Merci. Tout au long de ces 3 jours. Il fait plaisir. Bravo Sylvain. Bien joué. En termes de choix, je pense que mes choix étaient bons. Je les regrette vraiment pas. C'est plus dans la pratique où effectivement je pense avoir raté des poissons stratégiques qui coûtent cher. Mais au final, je suis content d'avoir su faire un quota dans des situations aussi complexes que celles qu'on a connues. C'était relevé, il y avait des beaux adversaires. Je n'étais pas du tout confiant. J'avais un plan qui me plaisait, mais je n'étais pas du tout confiant. Et voilà, de le tenir là maintenant, ça fait plaisir. Ouais. Pour moi, le FC Fight, ça représente quelque chose de relevé, vraiment de difficile à gagner. Il y a des grands noms de la pêche. Et voilà, de les affronter et de se dire que voilà, en plus, voilà, c'est tout filmé, c'est tout en direct, faut assurer quoi. Et de réussir ça, ça fait grave plaisir, ouais. Une superbe finale et un très beau vainqueur. Ce FC Fight Perche se termine en apothéose alors qu'il avait commencé dans la difficulté. La pêche s'est avérée compliquée sur ce lac et les compétiteurs ont dû faire face à des conditions stressantes et à des grands moments de solitude. Quand la pêche est difficile, certains parviennent quand même à trouver la clé pour déclencher des poissons. Et c'est aussi l'essence même de la compétition. Sur ce FC Fight, Tanguy Marlin et Arnaud Landrieu ont eu le mérite de prendre pas mal de poissons maillés, mais c'est Sylvain Garza qui a été le plus fort sur cette date. Il a marqué les esprits et il inscrit logiquement son nom au palmarès du FC Fight. Merci à vous d'avoir suivi cette série. La suite arrive très bientôt sur la chaîne du Fishing Club avec notamment la saison 2 du FC Fight Brochet. Pensez à vous abonner pour ne rien rater et n'hésitez pas à nous laisser vos impressions dans les commentaires. Il est tellement hauteur, putain, Paco.